C'est parti pour ce nouveau numéro de Debout au Katanga. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de ce magazine qui vous parle de la province qui préfère. Les travaux de construction, de réhabilitation et de modernisation des ouvrages évoluent normalement bien dans la ville montagneuse de Likasi. Il s'agit notamment de la route nationale numéro 1 qui est déjà modernisée à l'instar de l'avenue Kasavubu à Lubumbashi, des ponts en construction. Le constat est du directeur général adjoint de l'office des routes. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Yahweh, Yahweh, béni sa foi. Yahweh, Yahweh, battez la nuit. Il a voulu s'enquérir de l'évolution des travaux initiés par l'exécutif provincial et supervisé par son entreprise, le directeur général adjoint de l'office des routes s'est avant tout arrêté à l'entrée de la ville de Likasi. Ici, l'entreprise Malta Forest procède à la modernisation de la nationale numéro 1. Si la route se présente déjà à s'y méprendre à l'avenue Kasavubu de Lubumbashi, avec sa chaussée élargie à 14 mètres, ses trottoirs, séparateurs et autres travaux d'assainissement, le DGA Fluirbert Moututi Metila a voulu tout savoir, de la couche de fondation à la couche d'éroulement, aux travaux d'assainissement, au contrat et à cette durée. Il n'a laissé aucun détail. C'est seulement pour la traversée de Likasi. Le contrat était à 12 mois, nous sommes déjà à une année et demie, donc là, des 15 mois, les travaux sont réalisés à 25%, 20%. Nous allons peut-être discuter avec le Forest pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi est-ce que les travaux traînent. Et certaines questions techniques aussi, nous en avons parlé, pour voir comment a été dimensionnée la cité de la route. Le DGA Floribert Moututi Metila se rendra par la suite au pont en construction à la limite de la commune des Panda avec le territoire des Kambo. Les travaux lancés en avril dernier par le gouverneur Jacques Ablakatwe avancent, mais le DGA a fait un certain nombre d'observations à l'entrepreneur afin d'améliorer la qualité de cet ouvrage. Vous devez comprendre que cet ouvrage, c'est un béton armé. Donc c'est un pont définitif qui a 60 mètres et qui va recevoir des tonnages très très importants. Nous sommes dans une zone minière. Donc, il faudra qu'il soit dimensionné en conséquence et que surtout, il doit être conçu tel qu'il a été conçu, de façon à ce que la sécurité soit garantie pour les usagers. Et notre rôle, tout simplement, c'est de venir voir, pendant qu'il est en train d'être réalisé, comment l'entreprise procède pour mettre en œuvre ce qui a été calculé sur papier. Après le Haut-Katanga, le numéro 2 de l'Office des routes s'est rendu à Kolwezi, dans le Lualaba, avant un retour dans la province de Jacques Ablakatwe. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatwe, tient à la sécurisation du site minier de Chinkolobwe dans le territoire de Kambove. Et pour se rassurer du travail qu'aba les services de sécurité sur place, Jacques Ablakatwe a fait les déplacements de Chinkolobwe. Je rappelle qu'ici, Chinkolobwe est situé dans le territoire de Kambove. Regardez. Aussitôt arrivé sur les lieux, le gouverneur de province, Jacques Ablakatwe, accompagné de son vice-gouverneur, Jean-Claude Kanfwa Kimimba, des membres du Conseil provincial de sécurité, des responsables de la GECAMINE et de ceux de l'autorité de réglementation en matière radiologique et nucléaire, a eu des explications sur les 6 sites miniers autour de la mine stratégique de Chinkolobwe. Yahweh, Yahweh, battez la nuit. Par la suite, le gouverneur de province avec toute sa suite va faire la ronde d'inspection de tous les postes de sécurité mixte FRDC-PNC
disséminés à travers le site. Ces points de surveillance ont été construits par le gouvernement provincial du Haut-Katanga afin de prévenir toute exploitation illicite des minerais à haut risque, dont l'uranium. Après toute la ronde, l'autorité provinciale s'est dit satisfaite de la manière dont ses services de sécurité protègent ce site des minerais stratégiques. D'autres mesures seront prises pour renforcer la sécurité du site. Nous sommes venus inspecter les systèmes mis en place de sécurisation du site de Chinkolob. Je suis satisfait de voir que nos éléments qui sont ici font du bon travail et sécurisent les sites contre toute exploitation illégale du site de Chinkolob. Mais nous n'allons pas nous limiter à cela. Déjà dès demain, il y a un travail de bornage pour limiter le site d'exploitation ou la zone interdite par rapport à d'autres zones. Bien avant la descente sur terrain, le gouverneur de province Jacques Ablakatou a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité à Likasi. C'est une Jeep Pimpant neuve des marques Land Cruiser que vient de bénéficier le programme élargi des vaccinations dans les Haut-Katanga. Cette œuvre est du gouvernement provincial du Haut-Katanga que dirige Jacques Kiabulakatoué. Et c'est le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba qui a procédé à la remise de ce charroi automobile aux bénéficiaires. Regardez. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga vient de doter le programme élargi des vaccinations de la division provinciale de la santé d'une Jeep de marque Toyota Land Cruiser 4x4 Pimpant 9 km 0 en appui à la première jusqu'ici fatiguée. Pour le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfoua Kimimba, ce véhicule permettra à l'équipe de vaccination d'être présent partout. Il y a des gens qui habitent loin. Mais ça nécessite une certaine mobilité pour les atteindre. Donc, essayer d'utiliser ces matériels-là en bon père de famille qui pense à l'entretenir afin qu'il garde son état. Merci. Jean-Claude Kanfoua Kimimba a remis les clés de contact au ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, qui à son tour les a remis au chef de division provinciale de la Santé pour usage. Jean-Marie Kafouembe a dit merci à l'autorité provinciale et a promis un usage rationnel. Nous remercions sincèrement le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour cet appui. Ce véhicule va nous aider à améliorer nos performances dans le cadre de la vaccination pour que nous puissions bien lutter contre les maladies évitables par la vaccination. Ça va nous faciliter d'acheminer le vaccin et les autres intrants vers le point le plus reculé. En tout cas, merci beaucoup au gouvernement provincial. La nouvelle Jeep Pickup 4x4 Land Cruiser a bien roulé et promet de rendre de loyaux services en province. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, a participé aux travaux d'exposition de la Commission économique zambienne, travaux lancés le 20 octobre dernier au bâtiment Hypnose à Lubumbashi. Regardez. Pendant trois jours, soit du mercredi 20 au vendredi 22 octobre 2021, les entreprises du secteur privé de la Zambie vont exposer leurs produits dans l'enceinte du bâtiment Hypnose et leurs responsables vont prendre contact avec les entreprises congolaises en vue de faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers. Cette deuxième édition de la mission économique zambienne a été organisée par la Zambia Development Agency, ZDA en sigle, en collaboration avec la FEC Haut-Katanga sous financement du gouvernement finlandais. Lors de la cérémonie d'ouverture du forum, le directeur général de la Zambia Development Agency a rassuré les opérateurs économiques du secteur privé des deux pays
de sa disponibilité à faciliter les échanges entre les deux parties pour l'émergence de leur business. Pour le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoy, le forum est la concrétisation de la volonté des deux chefs d'État, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, Hakainde Hichilema de la Zambie, dans le but de fluidifier le trafic transfrontalier pour le bien-être social des deux peuples. Sa volonté et sa détermination à bâtir une nation prospère en bonne entente avec ses voisins, dont la République démocratique du Congo. For his will and his determination to build a prosperous nation, which is in good relationship with its neighbors, among which the Democratic Republic of Congo. Deuxièmement, à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président de l'Institut de l'Union africaine, pour sa politique de bon voisinage qui rend possible cette rencontre et pour sa vision de gouvernance, plaçant le peuple au centre de son action, le peuple d'abord. Il s'en suivra le moment du lancement des assises par le secrétaire permanent au ministère zambien du Commerce et de l'Industrie, Moussoma Moulenga, après le message d'encouragement de l'ambassadrice de Finlande en RDC et en Zambie. Il faut signaler que la cérémonie d'ouverture du forum s'est clôturée par la visite des stands. Dans l'après-midi de ce mercredi, le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoy Kimimba, recevra dans son cabinet de travail le secrétaire permanent au ministère zambien du Commerce et de l'Industrie. Les deux personnalités ont échangé sur les opportunités d'investissement dans le Haut-Katanga. Pour marquer d'un cachet spécial cette rencontre, le numéro de Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoy Kimimba, a remis à son hôte un cadeau. Il s'agit d'une statuette d'aigle, l'aigle qui est le symbole de la Zambie. C'est donc par là que nous allons terminer ce numéro de Debout Haut-Katanga. Nous vous disons sincèrement merci pour votre sympathique attention. Restez avec nous car Debout Haut-Katanga, nous allons nous retrouver encore le week-end prochain. Ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir.